Là, va falloir remonter, je crois, parce que cette porte était fermée. Allez, on monte. Je viens de par là, on est d'accord? Non, je viens pas de par là du tout, en fait. Attendez, parce qu'il y a le dragon pas loin, je crois. Ah bah, il est là. Mais non, c'est le dragon mort, ça. Attendez, c'est quoi cette... Oh! Oh merde! Oh bordel de merde! Ok. Vous voyez, typiquement ce genre de choses là, c'est normal sur Dark Souls. Ce genre de troll absolu. Bon, ce dragon est... C'est encore un dragon mort en fait, c'est un autre dragon. Et lui, il est bien vivant. Hein. Et il ressemble à Alduin. Alduin, évidemment. Le dévoreur de monde, je sais pas quoi, de Skyrim. Bon, je venais pas de là, mais de là-haut, en fait. Et en fait, on me donnait la possibilité de monter encore, donc on va y aller. Non? C'était pas là où on me donnait la possibilité de monter? Bon, là, il y avait le mob costaud. Ah, si, c'était là. Il y avait le mob costaud. J'aimerais bien un feu, déjà en fait. Parce que j'ai plus de fioles d'estus en fait. Ah bah, quand on parle du loup. Et donc les feux qui font respawn tous les ennemis du monde. Puisque sinon il n'y aurait aucun réel plaisir à rejouer en fait et à revenir dans certaines zones. Puisque si tous les mobs meurent, hein, soyons honnêtes, après c'est un peu nul. Alors est-ce qu'il y a un mur invisible? Non, parce qu'il y a des mécaniques de mur invisible qu'il faut activer en appuyant sur A. Voilà, à côté des murs. Donc il n'y a aucun signe distinctif la plupart du temps en plus. Pour ok. Bon là on peut pas passer. Fragment de titanite. Alors là c'était juste un feu. Et genre il faut rebrousser chemin et repasser au niveau du dragon. Parce que je suis pas confiant hein. Putain qu'il est classe. Bon. Bon ce feu. Attendez, on pouvait se téléporter ou on pouvait rien faire? Voyager. Bah je vais retourner ici en fait. Donc là c'est là où je suis. Tour du mur. Parce que là de tout ce que j'ai fait au final, il y a un passage juste devant la gueule du dragon. Je pense même pas que je pourrais l'atteindre. Puisque vu comment il a annihilé tous les mobs qui se trouvaient sur le pont là, je pense que je vais même pas tester en fait. On va plutôt passer par là. Ok, il n'y a pas de dragon cette fois, c'est bien. Par contre il y a des chiens. Et les chiens dans les jeux vidéo souvent c'est... Regardez, vous entendez? Il y en a un juste là en fait. Voilà. Regardez, regardez ces putes. Franchement. J'entendais sa respiration. Forcément, je joue en... regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hein? T'es content de toi? Hein? Petite merde. Voilà. On ne m'a pas comme ça, monsieur. Attendez, je peux passer par là du coup. Il y a peut-être un passage alternatif. Eh bien non, pas du tout. Par contre, lui il est vénère, lui il est vénère, oh, le chien il est vénère. Ok bah, oh putain. Attendez, parce que la rapidité des chiens les rend complètement mortels. Et lui, il peut trapper à travers les murs. Attaque. Attaque, vas-y. Saute-moi dessus. Parce qu'il y a l'autre mec vénère à côté en fait. Putain de merde. Putain il est là lui. Il était résistant lui dis donc. Ok. En vrai je pense que ma fiole de magie je peux la bouger hein. Je le ferai à mon prochain voyage en Lichefeu. Bon il y a encore les... Eux là. C'est pas... Voilà, on sait pas ce qu'ils prient, peut-être pour leur salut. C'est des carcasses donc on sait pas. Et là encore une fois, deux chemins. Voilà, un chemin ici, qui me semble être alternatif. Mais on ne sait pas en fait. C'est ça le truc dans Dark Souls, c'est qu'on ne sait pas. Bon lui il a une hache, il est vénère.
Ah, il a beaucoup de vie, hein. Ah, vous voyez les dégâts que je lui ai fait là avec la chute. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Voilà, impossible d'ouvrir ce côté. Mais en fait, vous voyez toutes ces portes que je n'ai pas pu ouvrir, eh bien, il y aura une certaine. Il y aura une corrélation en fait. Il y aura vraiment un lien avec tout ça. Attendez, mais il y a un mob que j'ai pas tué là? Qu'est-ce que je me disais? Il avait une épée en plus, ce petit fourbe. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois, on va finir une portion de niveau et on va revenir au début de la zone en se disant: ah, mais d'accord, en fait, on était là. Et ça, c'est beau. Bien joué. Alors, il est tout seul, visiblement. Ok, lui, il a sorti une. Ah! Alors. Très bien. Oh les damage. Je vois rien. Allô? Oh j'ai traversé le mur. Bon, je pense que ça c'est un ennemi Oh, regardez, il laisse des traînées de de dégueulassitude. On va. Oh mais. Non, c'est bon. J'allais dire j'assiste à un bug. Vache, il est violent. Mais je crois que je cherche la difficulté à faire. À jouer sans bouclier. Merde. Ouh. On va voyager, on va aller à Lichefeu. Et on va s'allouer 4 fioles d'estus. La magie pour l'instant ne sert à rien. Et on va aller affronter ce mob. Donc clairement ce type de mob, donc on en rencontrera plein durant le playthrough. Et en fait ces mobs ce sera des mobs qu'on aura tué qu'une fois. Donc c'est des sortes de mini boss finalement. Parce que vous voyez il est assez résistant. Quand je le tape, voilà, je lui fais pas trop de dégâts hein. Il a beaucoup de vie. Après voilà, j'ai une armure lourde, j'aimerais bien avoir une armure légère pour faire des... Allouer. Voilà. Réparer. Vous voyez que là on peut... Attendez, non, réparer notre équipement, ça ne sert à rien pour l'instant. Renforcer. Qu'est-ce qu'il me faut? Bah forcément il me faut des âmes. Ok. Et il a pas... Ah non, le stuff c'est l'autre qui l'a vend. Elle a pas une arme... Oh, mais elle s'est déplacée, elle. Elle a peut-être des nouveaux dialogues. Armure. Elle voit une clé. Clé de la tour. Ah, mais putain, il me faut cette clé. 20 000. Ok, je l'ai pas. J'aurais pas 20 000 pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle veut? Ouais, bah, de toute façon, j'ai pas d'âme, donc je peux pas... Donc là, je vais récupérer la quatrième, c'est parfait. Et on peut... Donc, on était là. On va aller affronter ce mini-boss, donc en théorie là je le tiens bien. Bon, est-ce qu'il est déjà métamorphosé? Parce que peut-être qu'il y a moyen de le frapper. Ah, il est là. Ok. Bonjour monsieur. Allez. Ça commence bien. Attendez, monsieur, voilà. Calmez-vous. Eh bien. Je m'en doutais. Mon Dieu, mais...
Attendez, je vais loot. Voilà, un arc. Un arc. Alors l'arc, c'est le... c'est l'item avec lequel vous pouvez vraiment cancériser n'importe quel mob. J'ai encore raté. En fait, ce qui est infâme avec ce mob, c'est que comme c'est des trucs visqueux, on sait pas en fait. Les mouvements, ils sont tout... on sait pas. Vraiment, on sait pas du tout. Bon, lui, il va se transformer, il va tuer... Normalement, le mob va tuer tout le monde. Voilà. Et on nous donne un arc ici. Alors peut-être que ça a une signification. Attendez, il m'a pas vu là. Oula, mais il a bugué. Allô monsieur. Mon dieu. La difficulté. Vous voyez comme c'est... On sait pas en fait. C'est le bordel. Voilà, j'ai déjà utilisé beaucoup trop de fioles. En plus il a des... Oh là là, mais c'est infâme. Le pire c'est qu'en fait ce mob est... Il est instoppable, il a aucun... Allez, on se concentre. Voilà. Là, je voulais faire ma roulade, mais je l'ai fait au mauvais moment. Bon, super. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais en fait, je me cherche des excuses, mais c'est juste moi qui suis mauvais. Hein. Donc, il faut que j'arrête. Ça suffit maintenant. Il est où? Ah mais en fait il dort en plus. Donc même si vous passez là, vous pouvez ne pas le voir ce mec. C'est quand même incroyable. Allez, là on joue bien là. On joue bien, on essaie de pas perdre de vie sur ces merdes. Allez viens. Ah, le deuxième. Allez viens. Viens. Bon attendez, je vais le bourrer. Je vais pouvoir montrer le stunlock. Ah bah j'ai carrément pu faire un backstab. Ça c'était pas voulu mais pourquoi pas. Vous voyez à chaque fois il a ce petit recul en fait qui l'empêche d'attaquer. Ou alors même si il commençait une attaque, on a quand même la priorité et on le stun. Voilà tout s'est bien passé là. Donc clairement. Attendez, je rêve ou il ne s'est même pas transformé du coup. Oh la blague. Donc ça se trouve ce boss c'est tellement, c'est un truc vraiment infâme. Genre si on est assez rapide, on peut tuer cette merde. Bon là là, chier. Voilà, donc c'est ça Dark Souls. Et au final pourquoi? Bah pour rien en fait, puisqu'il n'y a rien ici. Pas un mur invisible? Non. À quoi ça sert cet endroit? Rien du tout. Il y a rien. Voilà. Il y a bien un passage là-haut. Mais là on peut y accéder, il y a des petits gravats. Bon et puis ça c'est une merde du feu, je sais pas quoi. Voilà, on peut pas y aller. On peut pas y aller, c'est interdit. Voilà. Ce qui m'avait aidé dans Dark Souls 1 et 2, c'est que je me suis aidé d'internet. Donc forcément, la difficulté est moindre. Backstab ? Attendez, il va cracher de l'autre côté. Crache de l'autre côté. C'est le moment. Crache de l'autre côté, vas-y. Allez. Il faut que j'aille voir ce qu'il y a en haut. Il veut pas, hein. Il y a masse loot en plus. C'est bien le truc qui va te piéger. Ok. Ok.
bordel de merde. C'est impossible en fait de passer. Parce que là vous voyez qu'en plus il a initié son feu ici. Je pense qu'il a des phases. Des phases scriptées. Est-ce que je peux aller derrière lui en fait? Non, non, c'est fermé. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir accéder à cet endroit, en fait. Oh non! Ok. Est-ce qu'il a rip-hop le mec fort là? Qui m'avait cassé le cul? Non, parce qu'en vrai c'était un... C'était de base un challenge déjà ce mec. Oh, il est là. Oh merde, il est pas mort l'autre. Regardez, il me cherche pas. Il va aller affronter le dragon. Bah je te laisse hein. Mais je sais pas en fait où aller. Oh putain. D'accord. Parce que là-haut on est d'accord qu'il y a rien au final. J'y étais là-haut. Bah oui, il y a un feu. Mais théoriquement un feu ça annonce quand même un passage après. Supérieur, je sais pas. Quelque chose. Something. Yeah. Mais là rien. Juste un feu en fait où on peut se TP. C'est incroyable. Alors attendez. Vous voyez que ce... Ah mais non, mais en fait ce dragon là, là où il crachait, c'était la grille qu'on voyait. Et là on peut pas y accéder de toute façon. Ah mais le problème c'est ça. C'est qu'en fait peut-être qu'en longeant là et en allant carrément en dessous de lui en fait, on accède à une nouvelle zone. Je sais pas en fait. Bah ça se tente, j'ai envie de dire, mais le problème c'est que si je perds mes 4500 âmes, oh là là, je vais peut-être Du coup on va se reposer près du feu. Du coup tous les mobs rip-hop, il va les retuer. Zone de farm spotted. Alors attendez lui parce que lui il vénère. Et lui aussi hein. Ok, il me jette des couteaux, il est comme ça. Parce qu'on est d'accord qu'en bas j'avais tout fouillé. Il est passé par là. Je vais le laisser tranquille hein. Il va aller voilà. Je vais essayer d'aller le backstab après. Merde. Bon, y a masse mec à tuer du coup. Je sais pas si c'était le bon choix de... Je veux ton épée toi. Non mais c'est chiant. En fait faut que je tue lui d'abord parce qu'il va me saouler. Oh le fils de pute. Ah, il vénère. J'aime bien son armure, j'aime bien son épée, j'aime bien son moveset. Il est trop classe. Bon, en vrai, je suis déjà bloqué sur le premier niveau. Mais c'est Dark Souls, en fait. C'est ça, c'est Dark Souls. Donc là, on va directement l'aggro ici, en fait. Non, il faudrait que je tue lui d'abord, sinon. Sinon, ça va être insupportable. Voilà. Putain c'est... Mais what? Oh! Mais le mec! Mais bon voilà, j'ai perdu mes âmes. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais me téléporter. Waouh! Il m'a tellement de chain. Je me... Voilà. Un mob hein. Là c'est un mob et en plus qui rip-hop tout le temps. Donc voilà, je suis une merde. Tout à fait, absolument. On va aller là, on va rush cette fois.
Parce que de toute façon on a rien à perdre, on a zéro en fait, on a zéro, voilà, on a tout perdu déjà. Surtout ce qu'on avait dû gagner depuis le début du jeu, on a déjà tout perdu. Voilà, donc la lucidité voudrait que j'aille tout dépenser hein, quand j'avais 4500 pour level up et devenir plus fort. Évidemment, la lucidité quand elle me parle, je l'ignore un peu. Donc là on va courir. Oh lol, il fallait faire ça. Il fallait faire ça. Il fallait juste courir. Et là en fait c'est un passage qu'on peut ouvrir. Oh, il y a un coffre. Oh, attendez. Attendez parce que... Parce qu'il y a une mécanique que j'aimerais vous expliquer à propos des coffres. Donc de base je vais ouvrir le raccourci déjà. Comme ça c'est fait. Et si je meurs... Voilà. Ah mais il y a mes âmes là-bas, mes 40 âmes. Génial hein. Ouais je sais. Mais en vrai cet endroit ça sert à rien, on est d'accord. C'est juste pour un raccourci. Mais il n'y a pas de truc particulier. Donc en fait, les coffres dans Dark Souls, il y en a certains qui sont piégés et qu'en fait c'est des mimiques. Silence. Bon, ok, j'ai zéro autorité. Ah, voilà. Et en fait, oh regardez, vous avez vu? Vous avez vu ou pas? Il s'est refermé tout seul. En fait ce coffre est vivant, c'est un monstre. C'est un monstre. Et en fait si vous l'ouvrez il va vous tuer. Donc en fait ce qu'il faut faire, il faut... Putain il a masse vie. Donc en fait voilà. Et donc vous pouvez vous faire... Voilà il fait du tatsumaki et tout. Voilà c'est pour ceux qui connaissent. Une attaque de Ryu. Et là tatsumaki. Tatsumaki. Ah non, là il fait reprise de volée. Voilà. Il avait beaucoup de vie quand même. Hein. Enfin, et là il va me donner une clé. Hache de guerre abyssale. Carrément. Est-ce que j'ai assez pour la porter? On voit où ça. Attribut 12 et 8. Ok, bah j'ai assez. Ok, donc une hache. Voilà. On peut prendre à deux mains. Moveset assez lent mais que j'aime bien. Et donc voilà. Donc ça servait juste pour un passage secret. Enfin un truc pour Ah et voilà. Et en fait cette arme elle est déjà imprégnée en fait. Et donc je fais des dégâts. Bon abyssal ça doit être des dégâts de ténèbres. Bon lui c'est mon match-up. On a des comptes à régler. En fait, j'ai l'impression qu'il... Ah, oh, il aime pas les dégâts de ténèbres, lui. Ça suffit maintenant. Ouais, il donne 200 âmes. C'est beaucoup plus que déjà tout ce que les autres donnent.